Bonjour, bonjour. Voilà. Je vois que vous êtes là. On va attendre qu'il y ait quelques personnes qui vont nous rejoindre. C'est une vidéo que c'est en direct que je devais faire depuis une semaine. Depuis une semaine, je dois faire ce direct. J'ai pas eu encore, j'avais pas eu le courage d'en parler ni bon, le temps me manquait en semaine. Mais j'aurais pu la faire depuis le week-end. Alors, comme vous savez, depuis quelques mois, on a créé. Oui, Aziz, je suis au jardin. Je suis dans mon jardin. Comme ça, les enfants ne me dérangent pas. Coucou Zara. Alors, j'ai créé avec d'autres amis une ONG. Une ONG qui s'appelle. Aziz, tu veux voir mon jardin? J'ai un beau jardin. Hein? Et c'est moi qui ai planté toutes les fleurs, t'as vu? Je m'amuse. Donc, je disais, on a créé une ONG il y a quelques mois avec des amis. Une ONG qui s'appelle Mon enfant, ma vie. Dont le plan d'action couvre tout ce qui est violence contre les enfants, les femmes et puis les femmes enceintes et tout. Et donc, il y a quelques mois, je pense 2 ou 3 mois, il y a Espace FM qui a parlé d'une dame. C'est passé sur les grandes gueules. Une dame dont les enfants étaient violés par leur propre père à Kipe. Ça fait un peu le buzz, mais comme c'est la Guinée, on aime bien faire les buzz de 2, 3 jours. Et puis, on n'en parle pas. Et malheureusement, nos journalistes aussi relaient les infos et après ne font pas de suivi derrière. Ce qui fait que après, il n'y a pas de suivi ni de sanctions derrière. Parce que malheureusement, on est dans un pays, ils aiment bien qu'on les chauffe, quoi. Tant qu'on ne chauffe pas, ça passe pas. Donc, la semaine passée, moi, j'ai été contactée par une amie qui m'a dit, écoute, Jen, j'ai besoin de te présenter une dame dont les enfants étaient violés. Et tu vas voir ce que tu peux faire avec ton ONG. Je dis ok. Donc le week-end passé, je suis allée rencontrer cette dame. Mais ce que je vais vous raconter, c'est-à-dire, je vous dis que c'est pas de la fiction, hein. C'est incroyable et ça se passe en Guinée en fait. Donc je vais rencontrer une dame qui peut-être doit avoir, c'est-à-dire si je vous dis dans mes maxi, c'est 42, 43 ans. Elle a 5 enfants. Elle vit avec son mari depuis quelques années. Elle a fait 3 enfants. Dans un premier mariage. Et là, avec cet homme-là, il a fait 2 enfants. Elle me dit qu'il y a 4 mois, sa petite de 5 ans, qu'elle a eu avec cet homme-là, dormait au salon. Donc, elle était dans la cuisine. Donc, elle a 3 enfants. Un premier mariage, 2 avec l'homme, et l'homme a une autre fille à lui qu'il a eu avec une autre femme qui a 20 ans dans la maison. Donc elle dit qu'elle était dans la cuisine, sa petite de 5 ans dormait au salon, et d'un seul coup elle entend la petite crier, mais c'est-à-dire, mais elle crie, wow, il te dit vraiment un cri, tu vois, non, un cri de douleur et de genre, elle a peur. Donc tout le monde court, vient au salon. Et là, on trouve la petite apeurée, mais pas possible. Donc, la petite, elle demande à la petite, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, la dame, moi, je ne parle pas bien malinké, mais tout ce qu'elle disait, je comprenais. En même temps, j'ai pris une de mes collaboratrices de l'ONG qui parle malinké ou qui me faisait la traduction au cas où je ne comprenais pas. Et j'ai tout enregistré, en fait, tout ce qu'elle me racontait. Donc, elle est venue dire à la fille, mais qu'est-ce qui se passe? Mais dès que la petite veut parler, il y a le papa qui est là. Ah, maman, maman, il m'a coupé, hein? Maman, il m'a coupé, hein? Il y a un phosphore, hein? Maman, tais-toi. Tais-toi, maman, je vais t'amener en France. Maman, tais-toi. Il est là, il caresse la petite. C'est-à-dire, elle dit qu'elle sentait que l'homme empêchait la petite de parler. Donc, la petite continue à pleurer. Mais elle dit, il y a quoi? Mais l'homme ne veut pas que la petite parle. Et au plus, la petite pleurait. Il est là, il caresse la petite. Et au fur et à mesure, même, il est en train de déshabiller la petite. Regarde, regarde comme tu es belle. Hé, maman, je vais t'amener en France. Regarde comme tu es belle. Hein? Tu as même les formes de ta mère. Hein? Regarde comme toi, tu seras, comment on appelle ça? Tu seras une très belle femme un jour. Donc, mais
Elle disait que elle et les autres personnes qui étaient là, Marley, je ne sais pas pourquoi tu n'entends pas. Est-ce que quelqu'un d'autre ne m'entend pas? Comme ça, voilà. Donc, j'essaie de parler un peu plus fort alors, pour voir. Donc, du coup, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Elle était choquée en fait que quand même l'homme est en train de déshabiller son enfant et tout. Donc, elle se dit, ben. En fait, l'homme même était en panique en fait. Donc, elle a pris la petite, la fille de son mari qui a 20 ans. Elle a dit à celle-là, amène-la dans la chambre, habille-la. Donc, elle ramène la petite dans la chambre, toujours en larmes. Hein, et dit à la petite, mais qu'est-ce qui s'est passé? La petite lui dit, c'est papa qui m'a mis les doigts. C'est papa qui m'a mis les doigts. C'est-à-dire, en fait, il a trouvé la petite en train de dormir dans le salon et il lui a mis les doigts dans le vagin. En fait, c'est ce que la petite a sursauté d'un seul coup, en fait. Donc, du coup, que quand la petite lui a dit ça, elle directement, elle a appelé. Ok, merci, je vois que vous m'entendez. Donc, elle a appelé directement la dame et dit, ah, maman, et la petite me dit que c'est papa qui lui a mis les doigts. La dame dit quoi? Ton père t'a mis les doigts? La petite dit oui, qu'elle dormait, que son papa lui a mis les doigts. Ok. Mais la dame, en fait, c'est une dame, je vais vous expliquer après, c'est une dame mais qui est maltraitée par son mari. Mais en fait, il maltraite tout. C'est malade. Si je vous dis que c'est malade, c'est malade. C'est-à-dire, il maltraite toute la famille. Donc, quelques temps avant, elle avait eu des problèmes avec l'homme. Et ils se sont même retrouvés au commissariat parce que l'homme a maltraité son neveu ou sa nièce qu'elle garde à la maison jusqu'à lui casser le bras. Donc, ils sont allés à la gendarmerie. Donc, du coup, elle ne se parlait même pas avec son mari. Et malheureusement, elle dit que son mari, c'est son oncle. Je pense que ça, voilà, dans certaines ethnies du pays, on peut épouser le frère de sa mère. Elle dit que c'est son oncle. Donc, c'est la même famille, en fait. Donc, maintenant, dans la même chose, au même moment que ça se passait, il y avait l'oncle de son mari à la maison. Un vieux qui venait de Banankoro, je crois. Donc, elle dit, elle va aller se plaindre au vieux, de dire à son mari d'arrêter. Donc, elle va voir le vieux et lui dit, ah! Voilà ce que la petite a dit. Donc, toutes les larmes, les pleurs et les cris que la petite faisait là, elle dit que c'est son papa qui lui a mis les doigts. Le vieux dit, hé, faut pas parler. Laisse. Faut pas. Il a qu'un sutra, quoi. C'est-à-dire, il faut le sutra. Faut pas parler. Faut pas faire sortir ça. Laisse-moi, comme c'est mon neveu, je vais lui parler. Elle a dit, ah, il faut lui parler, parce que ça, je ne peux pas accepter ça. Et vu qu'il ne me parle pas, si je parle, il va me frapper. Donc, il faut lui dire d'arrêter, de laisser mon enfant tranquille. Le vieux a dit qu'il va parler. Elle ne sait pas si le vieux a parlé au gars, si elle n'a pas parlé au gars. Donc elle s'est dit, bon, vu que maintenant son secret est au dehors, c'est fini. Ça ne faisait que commencer en fait. Bon, c'est maintenant qu'elle savait en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Une semaine après, elle dit qu'elle allait à Cancan parce qu'elle a perdu quelqu'un. Donc voilà la dame qui va à Cancan. Donc tout le temps que la dame est à Cancan, l'enfant se fait violer en fait. Parce que le jour de son retour, elle arrive à la maison. Voilà. La fille de son mari, qui elle n'est pas sa fille mais qui a grandi avec elle, qui vient lui dire, ah maman, moi hier j'ai trouvé papa. Il dit, j'ai vu que la petite a disparu dans la cour, je ne la trouvais pas. Elle dit, je suis rentrée dans la chambre, j'ai trouvé papa et qui faisait comme ça sur le vagin de la petite. Je fais le geste qu'elle m'a fait, hein. Il était en train de lécher l'enfant de 5 ans dans son lit. Et je vous raconte pas des histoires, c'est la mère qui m'a raconté. Qu'elle a trouvé l'homme écarté les jambes. Je vais vous le dire parce que j'ai envie de choquer les gens, parce qu'il faut qu'à un moment donné qu'on réagisse en fait. Donc je vais vous dire qu'il a trouvé l'homme en train de lécher sa propre fille de 5 ans. Donc quand la fille lui a dit ça, elle était dépassée. L'homme n'était pas à la maison. Elle est encore repartie voir le vieux en fait, l'oncle de son mari, qui était encore dans la maison là-bas. Elle est venue lui dire. Mbori, je t'ai parlé. Tamila, tu vas là-bas, s'il te plaît. Va là-bas, s'il te plaît. Donc, que Mbori, je t'ai dit la dernière fois ce qui s'est passé ici. Voilà, à mon absence, il a encore repris. Vous savez ce que le vieux lui a dit? En fait, c'est là, c'est la partie de l'histoire qui me choque, en fait. Le vieux lui dit, non, n'en parle pas, que ça, ce n'est rien. Que c'est pas parce que l'homme est pervers, que chez eux même à Banankoro, qu'il y a des gens qui font ça que pour le prestige, pour avoir de l'argent. Que les gens couchent avec leurs enfants pour avoir de l'argent. Oui, Tita, je ne raconte pas d'histoire. Oui, Nenkadja, c'est la vérité ce que je vous raconte. Que donc, que faut pas que la femme parle. Que c'est pour que son mari ait de l'argent. Qu'il a besoin, qu'il est en train de faire ça pour ça. Que c'est pas parce qu'il a envie de son enfant.
Comprenez? C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est-à-dire, quand elle m'a dit, je l'ai coupé d'abord, je dis, mais tu es sérieuse que oui, que c'est pour le prestige, c'est pour l'argent que l'homme fait ça. Que donc, la femme n'a pas intérêt à en parler, de laisser tomber, que c'est pas. C'est-à-dire, de ne pas en parler. Donc, sur le coup, elle ne savait plus quoi faire. C'est en ce moment même, elle me dit, oui, Aziz, à cause de l'argent, apparemment. Donc, elle me dit même, elle a dit un proverbe à Malien que je ne peux pas vous répéter. Elle a dit que le foyer en Afrique, ça fait mal, en fait. C'est à peu près un peu ce qu'elle a dit. Elle dit donc, elle ne pouvait pas, elle ne savait pas quoi faire. C'est sa famille, c'est son oncle, c'est, elle ne savait pas quoi faire. Vous voyez, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'homme, quand il a su que sa fille aînée est venue dire ce qu'il a fait à la petite et que la petite a confirmé, qu'est-ce que le malade y fait? Il décide de les affamer dans la maison. D'abord, il dit qu'il va tuer sa fille, il va la frapper. Elle m'a montré sa maison, mais c'est une grande maison en fait. C'est pas, t'as dit, tu rentres chez eux, tu sais que c'est pas une famille pauvre. La maison où ils habitent, c'est pas leur maison, ils sont en location, mais c'est carrément une villa, cour fermée, dans qui paye. Donc c'est pour vous dire que l'homme, il a les moyens, parce que c'est un commerçant, apparemment, il voyage, il va à Dubaï et tout, il revient. Donc c'est pas, voilà quoi. Tu rentres chez eux, tu sais que c'est pas des pauvres quoi. Donc c'est vraiment malade le monsieur. Donc qu'est-ce que le monsieur il fait? Il décide de les affamer dans la maison. D'abord, il déscolarise les enfants. Personne ne va plus à l'école. Il n'enlève pas la dépense. Et quand il rentre le soir, il s'achète à manger. Il vient s'asseoir au salon. Il mange. La dame ne travaille pas. Elle dit qu'elle n'a jamais travaillé depuis qu'elle est avec cet homme-là. Il refuse qu'elle travaille. Donc, il se met à table. Le gars, il mange. Et un jour, apparemment, même, il passait. Il voit sa petite. Hé, maman, en malinqué. Excusez-moi, c'est un appel. Maman, tu as maigri. Je vois que tu as maigri, mais je ne vais pas enlever la dépense. C'est comme si on me racontait des histoires, quoi. Donc, il décide de les affamer. Il sort, il rentre à 2h du matin. S'il les trouve, parce que la dame, elle avait peur dans la maison. Elle dormait avec tous ses enfants dans la même chambre. Il a cassé toutes les portes. Elle m'a fait visiter sa maison. Toutes les serrures sont gâtées. Il a tout gâté. Il rentre à 2h du matin, il veut les frapper. Que parce que la femme a parlé et que la petite a parlé. Donc, du coup, quelques jours après, elle en avait marre. Elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose parce que là, ça ne peut pas continuer. Un jour, elle l'a trouvé en train de manger à table. Elle aussi, elle a levé le plat devant lui. Elle lui a dit, tu violes ma fille, tu nous affames, tu déscolarises mes enfants. Aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Tu ne vas plus manger ici devant nous aussi. Il faut que tu nous donnes à manger. Et ce jour, il a dit qu'il va la tuer. Il les a traumatisés, il les bat, il les affame, il fait tout ce que je t'ai dit, tout ce qui est inimaginable dans la maison. Là, sa fille de 20 ans là même, elle dit qu'il peut la chasser de la maison 3 semaines, 4 semaines. C'est elle, la dame encore, qui sort dans la ville pour retrouver la paix. T'as dit, voyez les enfants, ils sont apeurés, ils ont le regard vide. C'est que je vous raconte comme ça là. Moi, je suis allée jusque là-bas, c'est pas quelqu'un qui me raconte. Hein. Donc, la dame, elle est illettrée malheureusement. Donc, elle a appeler une amie. Elle dit, ah, je vais te dire quelque chose. Elle dit, moi, je suis dans Contophile, je ne sais pas quoi faire, en fait. Donc, elle dit à son amie, aide-moi. Elle dit, parce que mon mari fait ça et ça et ça. Après, sa copine lui dit, mais attends, est-ce que tu as amené ta petite fille là, à l'hôpital, pour voir au moins s'il n'a pas fait quelque chose? Elle dit, ah, je n'ai pas envoyé la dame. Elle lui dit, envoie la petite à l'hôpital. Elle envoie la petite à l'hôpital. Le premier médecin qui voit la petite, s'en fout, Abdoulaye. Ouais. S'en fout, hein, je te jure. Donc, du coup, il envoie la petite à l'hôpital. Elle envoie la petite à l'hôpital. Le médecin constate que la petite a été déflorée et qu'on voit vraiment qu'elle est victime de viol. Le médecin lui dit, je ne sais pas qui a fait ça, mais si tu ne portes pas plainte, moi, je porte plainte contre toi. C'est là la dame a eu le courage. Oui, monsieur Guissé, c'est un malade en fait. Et là, en fait, on en a parlé dans les radios et sites en ont parlé, mais c'est resté là, quoi, en fait. Donc, elle a vraiment besoin d'aide, en fait. Donc, du coup, elle envoie, c'est là, elle a le courage d'aller à la gendarmerie. Elle va à la gendarmerie, elle porte plainte. Quand elle a parlé de viol, la gendarmerie lui dit, on ne peut pas recevoir votre plainte comme ça. En fait, il y a une procédure, en fait, d'aller voir le professeur Hassan Ba, le médecin légiste. Que lui, il doit faire un rapport pour qu'eux, ils prennent la plainte en compte. Donc, elle envoie sa petite chez le professeur Hassan. Le professeur Hassan confirme qu'il y a viol.
qui a eu en tout cas attouchement et tout, il fait un rapport. Elle ramène ce rapport à la gendarmerie. Et c'est en ce moment que la gendarmerie fait une convocation. Elle dit que ça, c'était un lundi ou un mardi. À ce moment, la gendarmerie fait la convocation au monsieur. Mais ils n'ont pu mettre la main sur le monsieur que le jeudi. Mais depuis qu'il a su ça, je vous dis, c'était l'enfer pour elle. Elle s'enfermait dans la maison. Parce que quand il vient, il dit, il va les tuer, quoi. Ce que je vous dis là. Et toute la famille lui dit de ne pas en parler. Elle a, aujourd'hui où je vous parle, elle a toute la famille sur son dos. Donc, avec l'aide d'une autre dame qui est une de ses connaissances, qui connaît certaines personnes, elle a pris un avocat. La gendarmerie a arrêté le monsieur. Aujourd'hui, le monsieur est en prison. Ça, c'est déjà quelque chose. Le monsieur est en prison. Il n'a pas encore été jugé, mais d'après ce que j'ai appris, il va être jugé. Mais aujourd'hui, elle ne sait pas où mettre de la tête. Pourquoi? Parce que elle n'a pas les moyens. Elle a 7 enfants à charge. Elle ne reçoit pas de dépenses de ce gars. Malgré qu'il est en prison, il a les moyens, je vous dis. Il a vraiment les moyens. J'ai été là-bas, je sais qu'il a les moyens. Les enfants sont déscolarisés. Elle a été obligée de les prendre maintenant, les amener vers à l'école, à Afrikof de Kipe, pour les amener là-bas pour que les enfants... Elle dit qu'elle se débrouille pour manger. Mais la famille du gars mais est sur son dos, mais c'est quelque chose de malade. Mais tout le monde lui dit qu'il faut qu'elle retire sa plainte pour que le monsieur il sorte. Parce qu'apparemment, c'est le monsieur riche qui nourrit tout le monde. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut. Parce que, aujourd'hui, il est riche. Bon, si je dis riche, en tout cas, il a les moyens. Et d'après ce qu'ils disent, il le fait pour l'argent, donc ça les arrange. On s'en fout de ce que les enfants vivent. Donc, attendez, c'est pas fini, je vous raconte autre chose. Quand elle est rentrée à la maison, elle a appelé parce qu'elle vit avec ses autres enfants. Elle a deux grandes filles. En fait, c'est une dame, je pense, qui a été mariée très tôt dans son premier mariage. Donc, elle appelle ses grandes filles plus la fille du monsieur. Elle leur dit, ah, j'ai amené la petite à l'hôpital. Et le médecin dit qu'elle a été déflorée, qu'elle a été violée. C'est là la fille de 20 ans de son mari lui dit, hé, hey, maman, moi aussi, amène-moi à l'hôpital pour voir si moi aussi on ne m'a pas déviergée. Elle dit, mais comment ça? Elle dit, ah, elle dit, moi aussi, quand j'étais petite, je me rappelle, papa me faisait ça. Et elle dit que son père l'amenait même chez des amis à lui pour lui faire ça. Je répète, son père l'amenait chez des amis à lui pour lui faire ça. Donc, et elle dit que son père lui faisait regarder des vidéos porno à deux, elle et son père, à maintes reprises. C'est là que je me suis dit, il est malade. Un fou comme ça, il ne doit pas être remis dehors. Et si on ne fait rien, si je dis on, pas nous seuls, nous tous, même vous qui me regardez, il va sortir. C'est un malade qui va sortir. Je connais, je sais de quoi je parle. Il va sortir. Oui, Patty, c'est ce que je me dis, c'est un rite. Donc cette histoire de c'est pour de l'argent, je suis sûre qu'ils le font comme ça. Ils le font, c'est une secte. Il a envoyé sa fille chez d'autres hommes qui l'a touché, qui l'a violé. En fait, c'est une petite qui a 20 ans aujourd'hui, mais qui a été violée toute son enfance. Parce que elle est venue, elle dit qu'elle ne connaît pas sa mère. Son père ne lui a jamais montré sa mère. Moi, j'ai même douté, je dis, est-ce que c'est sa vraie fille? Peut-être qu'il la ramasse parce que c'était en Côte d'Ivoire. Elle dit qu'elle vient de la Côte d'Ivoire avec son père. C'est quand ils sont arrivés en Guinée, il a épousé la dame là. Donc, que ça se passait à Abidjan là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que c'est sa fille? Je ne sais pas. Mais elle a toujours été maltraitée par cette... Elle ne peut pas vous dire aujourd'hui, si je vois cette dame là, je vais dire c'est ma mère. Je ne connais pas sa mère. Donc, elle dit qu'elle a grandi comme ça. Maintenant, l'homme la maltraite, mais si je vous dis qu'il l'a mal... Vous voyez la petite, mais elle a le regard fuyant, les yeux hagards, le regard vide. Elle m'a dit carrément, madame, aidez-moi pour que mon père ne sorte pas de prison. Elle dit, je ne veux pas qu'il revienne. Elle dit, s'il revient, il va nous tuer. Elle dit, s'il sort de prison, il va... Quand elle a dit ça, la dame m'a dit, ah, tu as vu, Ibaraye, ce que je t'ai dit. S'il sort de prison, il va nous tuer. Aidez-nous. Elle dit, c'est un cri de détresse. Tous les enfants de la maison, de la femme et tout le monde a peur. Je vous dis, j'ai vu la maison, toutes les portes sont cassées. En fait, ils vivent avec un malade. Un malade, hein? Donc, c'est un réseau. Moi, je suis sûre que c'est un réseau. Hein? Je sais pas, mais il faut que ce monsieur, il parle. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais si on me parle de oui, il m'amenait même chez des amis pour me faire ça. Vous imaginez des hommes.
des hommes avec une petite fille qui font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, je suis choquée. Je suis choquée. Et ce qui fait que depuis une semaine, je cherche à parler de cette histoire. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment le faire. C'est-à-dire, à chaque fois que j'y pense, ça me coupe même l'appétit, quoi. Et ça ne se passe pas ailleurs, hein. Ça se passe en Guinée, à Conakry. On monte, on descend ici. Peut-être même, on les rencontre, on discute avec eux dans les familles. Ils sont là. Ils sont là. Hein? Ils sont là. Donc, dire tel, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon quoi. Là, j'ai confiance à lui avec mon enfant. Je me dis, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. C'est des malades. Ils sont prêts à tout aujourd'hui pour se faire de l'argent. Ça, c'est que ceux qui se font de l'argent avec. Et les malades qui le font juste par plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Donc, ce monsieur, il viole ses enfants, il les affame, il enferme tout le monde, il maltraite tout le monde, au vu aussi de tout le monde, et toute la famille, tout le monde, il est content, tout le monde, il est bien, parce que le monsieur, il est nourri. Et le vieux, à qui la dame est allée se plaindre, quand il a appris qu'il y a eu plainte, il prend ses bagages, il rentre à Banankoro, il dit, faut même pas qu'on le mêle dedans. Il nie même, il dit que non, que lui, la femme, là, ne lui a même pas parlé. Après, il va parler avec une autre personne de la famille pour dire que oui, la femme lui a parlé, mais lui, il ne viendra jamais témoigner contre le monsieur-là, parce qu'il ne faut pas que le monsieur-là aille en prison. Que ça, c'est quoi ça? Qu'à Banankoro, ça se passe tous les jours, les gens que savent. C'est pour avoir de l'argent. Je me suis dit, pauvre des enfants de Banankoro. Parce que s'ils le font là-bas, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer, je suis désolée. Mais si ça se passe, c'est qu'on doit faire quelque chose, l'État doit faire quelque chose. C'est qu'il y a un réseau de pervers ici pour se faire de l'argent. Ils violent des enfants. Hein? Ils violent des enfants en réunion. Donc ce monsieur, moi j'ai appelé la dame qui a aidé la maman à porter plainte et à avoir même un avocat. Elle m'a dit, pour le moment en tout cas, le dossier est en bonne voie. Le monsieur n'a pas été jugé, il est en prison, mais on met pression sur la dame pour qu'elle retire la plainte et refuse. Et moi, ce dont j'ai peur aujourd'hui, c'est que le propriétaire de la maison où elle vit a dit qu'il veut vendre la maison. Parce que même le jour où j'ai été là-bas, j'ai vu des gens qui sont venus visiter. Il dit qu'il veut vendre la concession. Donc c'est une dame qui va se retrouver du jour au lendemain dehors, avec 7 enfants à charge, avec 0 moyen. L'homme, c'est sûr... Pour le moment, il va refuser de... Déjà, même quand il n'était pas en prison, il refusait. C'est pas maintenant, il va les prendre en charge. Donc, c'est une femme qui, dans quelques semaines, va se retrouver dans la rue avec 0 moyen. Pourquoi? Parce qu'elle a osé dénoncer son mari qui viole ses enfants. Elle a osé dénoncer un violeur. Vous comprenez? Donc, du coup, aujourd'hui, la question, c'est quoi? C'est qu'elle, la victime, et risque encore de plus ressentir les conséquences de son acte, alors que c'est le contraire qui devrait se passer. Elle a la pression de la famille, on l'appelle, mais de tous bords. Elle a même la chance, la famille proche du monsieur n'est pas à Conakry. Ils sont à Cancan, et certains en Côte d'Ivoire. Parce que je suis sûre que s'ils étaient à Conakry, depuis longtemps, ils ont débarqué pour la foutre dehors. Heureusement, apparemment, le juge a envoyé un huissier de justice qui a fait l'inventaire de tout ce qu'elle a dans la maison pour ne pas que peut-être la famille vienne prendre les choses et tout. Mais... on est en Guinée, les gars. Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie même que ce mec-là va rester en prison. Je ne peux pas juger à l'avant. Je ne peux pas dire que tous les juges sont corrompus et je ne sais quoi pour ne pas dire n'importe quoi. Mais on sait qu'aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe dans ce pays-là. Vous comprenez? Là, je suis en train de parler en tant qu'activiste, en tant que maire. Je m'en fous de la politique. Je m'en fous de ce qu'ils font. C'est-à-dire, je ne veux rien politiser, quoi. Je m'en fous. Je parle en tant que mère et en tant qu'activiste de la société civile qui a décidé de prendre les causes des enfants, quoi. Donc, aujourd'hui, cette dame, elle a besoin d'aide. Elle a vraiment besoin d'aide. Nous sommes une jeune ONG. On n'a pas trop les moyens pour le moment. On fera de notre mieux. Tu vas là-bas, chérie, s'il te plaît. Hein? Va chez papa. D'accord? Donc, du coup, moi, si je vous parle aujourd'hui, c'est que j'ai besoin de mettre pression. Il faut vraiment mettre pression. Et ça, je mettrai tout en moyen. Les collègues avec lesquels je travaille dans l'ONG, on est déjà tous d'accord. On va mettre les moyens de mettre la pression pour que ce monsieur il ait le maximum de peine possible en Guinée pour le viol, qu'il reste en prison et que cette dame-là, aujourd'hui, puisse au moins, comment on appelle ça, bénéficier
de voilà quoi, de pouvoir gérer ses enfants. Elle a trois enfants d'un autre homme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il devient. Elle n'a pas de famille proche, proche qui pourrait la prendre. Aujourd'hui, elle dit que si je lui dis, mais si aujourd'hui tu es dehors, tu vas où? Elle dit, je ne sais pas. Elle dit, c'est là mon problème, je ne travaille pas, je n'ai rien. Donc, moi, c'est un appel aussi que je fais. S'il y a des bonnes volontés, partagez la vidéo, s'il vous plaît, qui peuvent aider cette dame-là à lui trouver un logement, à lui payer un loyer. Parce que même en haute banlieue, on peut trouver une maison, deux chambres, salon, pour qu'elle puisse être là-bas avec ses enfants, peut-être à 1 million le mois ou 1 million 500, multiplier ça par 12, ça fait 12 millions. Il y a des gens qui, voilà, qui peuvent le faire avec l'aide. On peut lui trouver un loyer, on peut lui trouver quelque chose pour vendre quelque chose au marché et tout, pour pouvoir après, au bout d'une année, de continuer à payer son loyer et de nourrir ses enfants. Et dans une école publique à côté, que les enfants pourront aller, pour qu'elle soit libérée de ce malade. Parce que je vous répète encore, c'est pas sûr qu'il reste en prison. On en a vu. On en a vu des violeurs qui sortent en prison ici. On en a vu. On est en Guinée. On n'est pas ailleurs. On est en Guinée. Il est en prison encore. Il peut être condamné. On va dire oui, le monsieur a été condamné. On sait ce qui se passe à la suite. Il va sortir incognito de la maison centrale. On ne va rien comprendre. Et je suis sûre et certaine que si ce monsieur retrouve cette femme et ses enfants, il va en finir avec elle. Il va en finir avec sa malade. Il lui a dit qu'il va la tuer. Et aujourd'hui, toute la famille est contre elle. Elle demande de l'aide. Donc, on va être choqués. Vous allez regarder cette vidéo. Vous allez être choqués. Ne restez pas choqués. Agissons. Si je le dis, si je le fais, ce n'est pas parce que j'aime parler ou quoi que ce soit. Agissons, c'est le moment. Et elle n'est pas seule. Des femmes comme ça, il y en a. Ça ne finit pas. C'est tous les jours. Et du moment où on dit que même c'est la pratique, je ne peux pas confirmer dans Banankoro. Vous savez, c'est la pratique dans combien de villes? Dans le pays. Vous savez combien de personnes le font à Conakry? Peut-être même pendant où je vous parle, combien d'enfants se font violer? Ou même des enfants qui se font violer, qui ne savent même pas qu'ils se font violer? Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de faire des révoltes de salon, s'asseoir devant son salon pour dire « Ah, le pays là !» À un moment donné, il faut arrêter de s'asseoir derrière son téléphone ou son ordinateur, dire « Ils ont fait ça, c'est des malades, mais Dieu va aider. » Dieu, il nous regarde et dit « Mais vous vous foutez de moi ou quoi? Vous êtes là-bas, agissez, moi je gère après. » Lui, il gère à l'au-delà, il ne va pas venir gérer à notre place. Donc, à un moment donné, il faut que les gens se lèvent en fait. Si je dis « se lève », ce n'est pas pour aller faire des marches. Des marches, on en a fait, ça a donné quoi? C'est un pays exceptionnel. Quand on dit marche, on n'a pas 50 personnes. Mais quand on dit politique, il y a des millions. On soit même en train de faire des estimations. Il y avait 2 millions. Non, non, non. Il y avait 500 000. Ça, on peut sortir. Pour des trucs après, au finish, qui ne vont même pas... Voilà quoi. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il y a des cas sociaux vraiment qui ont besoin. Mais pour qu'on en parle, mais qu'on en parle, qu'on mette pression. Et je sais que si les gens mettent pression, ils seront obligés, ils seront obligés d'agir. Parce qu'ils doivent agir. Parce que c'est de leur responsabilité d'agir. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on sorte des mamaya, des quoi, des salam alek, et qu'on agisse. On a des textes en Guinée qui sont riches. C'est pour ça que quand j'entends les gens, ah, il faut pénaliser le... Mais le viol est pénalisé. Il y a les textes, on a des textes, mais tellement bien garnis. C'est l'application qui fait défaut. Ou on les applique. Le gars demain, on les applique juste pour montrer aux gens qu'on veut les appliquer. Après, le gars demain, il est sorti. On le rencontre dans la rue. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent, quoi. Il faut qu'on arrête. Des enfants se font violer, mais tous les jours. Tous les jours, des enfants se font violer. Un homme qui viole ses deux enfants, dont même une a été victime de viol collectif. Vous imaginez? Vous imaginez le traumatisme de ces enfants-là? Vous imaginez ces enfants-là qui vont grandir, qui ne pourront jamais être des femmes épanouies, des mères épanouies, qui peut-être même verront leurs enfants subir ce genre de choses et penseront que c'est normal? Vous imaginez combien de fois le poids social peut empêcher les gens de parler? Comment une dame peut se rendre compte que ses enfants sont violés presque tous les jours par son mari, mais on lui dit « tais-toi ». C'est ton mari, tu dois le soutra. Parce que c'est ton mari. Parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas parce qu'il est pervers. Il le fait parce qu'il doit avoir de l'argent. Il viole ses enfants parce que c'est des choses qui se font, c'est pour avoir de l'argent. Les sectes, ils sont là. Hein?
Il y a des sectes apparemment. Satan, il est là, il est calé. Asseyons-nous. Tant que ça ne va pas toucher peut-être l'un de nous, là, on ne va pas se lever. Et pourtant, lutter pour quelqu'un aujourd'hui, c'est lutter pour soi-même, pour un autre jour. On ne sait jamais. Aujourd'hui, on ne sait jamais. C'est des enfants. Quand moi, je rentre le soir, je trouve les enfants dehors en train de jouer dans les trucs de Farignari. Je me dis, combien se feront violer ce soir? Mais que puis-je toute seule ou que pouvons-nous, quelques peut-être dizaines ou vingtaines d'activistes dans le domaine? Que pouvons-nous? Tout ce qu'on peut, c'est de dénoncer et d'alerter l'opinion publique. C'est tout ce qu'on peut en espérant qu'il y ait des gens qui vont réagir. Parce qu'on en a besoin. Donc, partagez la vidéo. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez appeler. Si vous voulez faire quelque chose pour cette dame et ses enfants, l'ONG Mon Enfant Ma Vie est disponible. Vous pouvez nous écrire sur la page de l'ONG, sur ONG Mon Enfant Ma Vie, ça s'appelle sur Facebook. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre, quel que soit ce que quelqu'un pourrait faire. Ou même si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un au niveau de la justice guinéenne, parce que c'est ça, c'est ce qui se passe. Si lui aujourd'hui il a l'argent, il connaît quelqu'un et qu'il puisse sortir, que nous aussi on connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un pour qu'on l'empêche de sortir. Même ça, c'est pas petit. Donc contactez-moi, contactez-nous si vous connaissez d'autres membres de mon ONG, contactez-nous, faisons quelque chose. C'est une dame qui en a besoin, qui dans quelques semaines aura besoin d'un logement pour ses enfants, pour être à jamais. Je vous dis, ses enfants m'ont dit, madame, on ne veut pas que notre papa sorte de prison. Donc pour vous dire que jusqu'où le gars, il a traumatisé ses enfants, comment il a traumatisé sa femme. Combien de fois des enfants se font violer, c'est-à-dire ses enfants se sont fait violer par leur père. Il n'y a que 4 mois à peu près que la maman est au courant. Mais combien de temps il a violé les enfants sans qu'ils ne sachent? Parce qu'on demande à la petite, elle dit que son papa a dit que si elle part, il va l'égorger, il va la tuer. Elle n'a que 5 ans. Donc combien de fois elle a subi ça? On ne sait jamais. Celle de 20 ans, elle a dit même elle a regardé porno avec son père. Donc imaginez qu'est-ce qu'il a fait. Elle a dit c'est un malade. Donc ce gars, il ne doit pas sortir de prison. Mais pour lui, vu qu'il est déjà en prison et qu'on va continuer à mettre pression, on va continuer à mettre pression. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est d'aider cette dame-là. Donc vraiment, j'en appelle à votre générosité. Oui, c'est vrai, je fais beaucoup d'appels de générosité, mais j'ai pas le choix. On en a besoin. Rien, t'as dit, quel que soit ce que vous pourrez faire, c'est pas petit. Un loyer, on en a juste besoin pour qu'elle puisse être en sécurité avec ses enfants, pouvoir les nourrir. Donc voilà, je vais pas être très longue parce que voilà, vous avez autre chose à faire. Je vais vous laisser, mais gardez cette histoire en tête. C'est pas de la fiction ce que je viens de vous raconter. C'est vraiment réel et ça s'est passé à Conakry, quoi. Voilà, c'est ça. En 2019, apparemment maintenant, il y a des gens qui violent des enfants pour avoir de l'argent. Abdoulaye, c'est déjà passé sur Espace. Ce qui me choque en fait, c'est déjà passé sur les grandes gueules. Il y a 1 ou 2 mois, je pense. Ça a choqué. Même certains sites en ont parlé. Un homme a violé ses enfants à Kip et tout. Les gens ont partagé sur les réseaux sociaux. Ça a choqué et puis ça s'est limité là. Parce qu'il n'y a pas de suivi derrière, en fait. La presse, elle dénonce, mais elle ne fait pas de suivi. Alors que plus elle dénonce, elle fait de suivi, elle continue à mettre la pression, ça nous aiderait nous aussi. Mais il n'y a pas, en fait. S'il faut, je vais repartir sur l'espace. Je vais encore en parler pour encore avoir beaucoup plus d'audience et de personnes qui vont réagir. Mais pour le moment, je me dis les réseaux sociaux, les amis que j'ai sur les réseaux sociaux, les personnes qui me suivent sur la page de l'ONG pourront voir la vidéo, la partager pour que le maximum de personnes soient alertées et que on ait au moins des personnes généreuses qui pourront venir en aide à cette dame qui a à charge aujourd'hui 7 personnes et elle n'a aucun sou. Elle risque de se retrouver dehors dans Conakry. Donc voilà ce que je voulais vous raconter. Et oui, c'est ça. Merci à tout le monde. Et puis, on est à l'écoute si vous voulez faire quelque chose. Merci.